Imaginons que vous vouliez récupérer à partir du numéro d'une année et du texte qui correspond au nom d'un mois, l'ensemble des dates de ce mois, en vous arrêtant forcément aux deux bornes qui sont le premier du mois et le dernier jour du mois. Donc ce qui veut dire qu'on ne voudrait pas récupérer 31 jours à chaque fois et ne pas prendre exactement les derniers. On voudrait dire, bah, si c'est février et que c'est une année non bissextile, je veux récupérer du 1er février jusqu'au 28 février et je veux qu'il n'y ait rien marqué après. Donc pour faire ça, si jamais on devait faire ça, bah encore une fois, les fonctions du moderne Excel seraient hyper efficaces. Elles seraient hyper efficaces notamment parce que grâce à la fonction séquence et puis même avec d'autres fonctions, filtre par exemple, elles peuvent s'auto-dimensionner. Ça veut dire que si on sait qu'on a 28 jours pour le mois de février, pour une année non bissextile, bah on va avoir 28 cellules qui vont se remplir et pas 31, et il faudra mettre des fonctions ci pour les dernières. Donc voilà, imaginons qu'on est ce cas-là. On a des dates ici, et on va vouloir récupérer, on a des éléments de date ici, l'année et le mois, et on va vouloir récupérer ici toutes les dates qui correspondent à l'année et au mois sélectionné. Pour faire ça, on va utiliser, c'est les nouvelles fonctions du moderne Excel, mais pas que, et on va commencer par une fonction qui existe déjà depuis un bout de temps, la fonction DateVal. J'utilise DateVal parce qu'il y a un élément de ma date qui n'est pas un nombre, et donc qui va m'empêcher d'utiliser les trucs normaux ou la fonction date. Ce que je vais faire, c'est ça et ça. Je vais joindre dans mon DateVal mars et 2023 pour que la fonction DateVal puisse me transformer ce texte en un nombre. Et ce nombre, ça va être la date du 1er mars. 1er mars 2023. Si ici, j'enlève mars, donc je mets avril, ou mai, évidemment, ici, mon calcul est hyper bien fait et fonctionne très bien. Donc, ce que moi je vais vouloir, je reste en mars parce que ça va me permettre de vérifier mes résultats. Ce que moi je vais vouloir, c'est partir de cette date-là. Et cette date-là, je vais rajouter des choses pour cette formule-là, je vais rajouter des choses pour obtenir toutes les dates consécutives qui sont dans le même mois. Donc, il y a plein de manières de faire. Je vais en prendre une qui, potentiellement, n'est même pas la plus courte, mais qui va me permettre d'introduire une méthode et des fonctions qui sont vraiment efficaces dans ce cas-là. Donc, ce que je vais lui dire, c'est je vais faire une fonction séquence pour dire alors, je vais commencer par une fonction let. Déjà, je vais faire une fonction let pour dire à partir de maintenant, quand j'écris d, ça correspond à ça. Donc là, si je mets point virgule d, j'obtiens exactement le même résultat. Mais dès que je veux faire d plus 1, d plus 100 ou quoi que ce soit, bah, j'ai plus qu'à appeler d mon calcul qui était un peu plus long ici, qui doit faire une dizaine, peut-être un peu plus de caractères là, alors que là, ça en fait plus qu'un seul. Donc d maintenant, c'est ma nouvelle appellation de ce calcul-là. Et donc, la date correspond à ce calcul. Donc là, ce que je pourrais lui dire, c'est par exemple D plus 1, D plus 2, ou je pourrais faire D plus et lui rajouter une liste avec les accolades 1,2.3, je crois que ça fonctionnerait comme ça. Alors non, je vais mettre des points virgules, parce que sinon il essaye de se propager vers la droite, je veux qu'il se propage vers le bas. Et donc là, il m'obtient la date, plus un jour, plus 2 jours, plus 3 jours. Mais simplement, je ne vais pas faire comme ça, plus 28, sans savoir 28 ou 29 ou 30 ou 31, sans savoir quand est-ce que je dois m'arrêter. Je vais plutôt, à partir de ça, utiliser une fonction séquence. La fonction séquence, alors je fais un test ici, si j'écris séquence de 10, il va me sortir tous les nombres de 1 à 10. Donc il me les met au format date, mais en vrai c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc moi je vais combiner ce que j'ai déjà fait avec la fonction séquence en mettant mon D comme un des arguments de la fonction séquence. Donc imaginons que je veuille seulement 4 dates par exemple, ou 5 dates, je ferai 5 pour dire que je veux 5 dates, mais je veux que ça commence. Donc je mets double point virgule ici pour que ça commence à la date que j'avais définie comme ma première date. Si je fais ça, j'ai bien le 1er mars, 2 mars, 3 mars, 4 mars, 5 mars. Et du coup, ça fonctionne bien. Et si je change ici pour du coup juin, bah, j'ai le 1er juin jusqu'au 5 juin. Maintenant, comment je fais pour ne pas avoir à mettre 31? Parce que si je mets 31 et qu'on est en mars, pas de problème. Mais si ici on était en février et que je mets 31, j'ai un problème parce que là du 28 mars pour l'année 2023, ça m'écrit, du 28 février pour l'année 2023, ça m'écrit 1er mars, 2e mars, 2 mars, 3 mars. Alors que moi je voudrais que ça s'arrête ici, ça s'arrête à la date du 28 février et que ça n'aille pas au-dessus. Donc je vais rester en février juste parce que ça va nous permettre de voir si ça fonctionne bien. Et donc là, ce que je vais dire, c'est que je ne veux pas forcément 31 lignes. Le nombre de lignes que je veux, c'est le nombre de jours du mois. Et pour calculer ça, je peux faire fin mois de D jusqu'à la fin du mois, donc je mets .0 et moins D. Je vais calculer le nombre de jours entre le début et la fin du mois, entre la fin et le début du mois. Si je fais ça, il va me manquer une date, mais on va déjà regarder ce que ça donne. Je vais bien du 1er février jusqu'à très loin dans février, mais jusqu'au 27 février. Et si je reprends mars, je fais bien du 1er mars jusqu'au quasiment la fin. Donc il me manque juste une date, parce que moi je lui ai dit, parce qu'il exclut en gros, et c'est toujours, ça arrive très souvent qu'on fasse plus 1 quand on manipule des dates. Donc, je vais lui dire plus 1, comme ça il va calculer le dernier jour du mois, moins le premier jour du mois, il va rajouter la date, en gros, une date de plus, et ça va nous donner le bon nombre de jours dans le mois. On pourrait faire d'autres manières, mais en vrai, ça fonctionne très bien. Ça nous donne 53 caractères. C'est ultra adapté à plein de situations. Et puis ici, je mets février. Je vois bien que ça m'a donné jusqu'au 28 février. Et là, on était en 2023, mais si je mets 2024, j'ai bien un 29 février parce que 2024 est une année bissextile. Donc je remets ça, je remets mars pour vérifier que j'ai bien tous mes bons résultats. J'ai tous mes bons résultats, j'ai une formule, celle-ci, c'est pas si longue que ça, dans laquelle on a notamment utilisé un let et un séquence, et le let nous a permis d'écrire une seule fois dateVal et de l'utiliser pourtant à 3 endroits, ici, ici et ici, sans avoir à le répéter. Et sans avoir à répéter les sélections qui sont à l'intérieur, donc sélectionner ça et ça. Donc voilà pour ce challenge, c'est le challenge 4 de mes challenges du moderne Excel que j'avais commencé à publier en 2022. Je les reprends en 2023 pour réaborder tranquillement et bien mettre sous forme de vidéo une méthode d'appropriation et d'apprentissage pour tout le monde des nouvelles fonctions et du fonctionnement du moderne Excel. Qui est quelque chose d'assez récent et qui notamment se démocratise beaucoup en 2023. À bientôt pour un prochain challenge, et d'ici là, entraînez-vous!